je reviens avec un haul, vous l'attendiez tous, action, action, réaction, c'est parti. Alors premièrement, j'ai pris, enfin c'est mon mari qui a pris une décoration, elle est juste derrière moi, voilà une décoration comme ceci en bois, alors il faudra le vernir, etc. Donc il va faire quelque chose avec, voilà, donc il va le vernir, etc. C'est une décoration pour mettre sur la terrasse. Voilà, comme ceci. Donc, il est vraiment très, très grand. Hein. Je ne sais pas si on verra bien. Comme ça. Voilà, donc j'essaye de me pousser un petit peu, que vous le voyez. Voilà, c'est vraiment très, très grand. Et je crois qu'il a coûté... Oh, je me pose. Je crois qu'il a coûté 4,49 €. Je vais faire la petite croix au fur et à mesure. Donc c'est parti. Alors j'ai pris un sac, ils appellent ça sac de commission de l'été. Alors il est assez lourd. Hein. Là c'est un gros craquage action. Voilà, vous avez les glaces, les parasols, les chaises longues. Voilà. Donc celui-ci était à 59 centimes. Voilà. Ensuite j'ai pris une peluche My Little Pony en forme de licorne, comme ceci. Voilà, il y en avait de plusieurs sortes. Donc, j'ai pris celle-ci. Je me suis dit, en décoration pour poser sur le lit, ce sera vraiment très, très joli. Voilà, j'ai trouvé très, très belle. Voilà, c'est pour une future décoration. Voilà, quand je vous ferai des vidéos. Donc, celle-ci était à 6,59 € et elle fait 30 cm de hauteur. Et vous aviez plusieurs couleurs. Vous aviez du rose comme ceci, assez fuchsia. Enfin, vous avez différentes couleurs. Vous aviez même du bleu. Donc, 6,59 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris un petit chiffon microfibre. Voilà, qui va passer en machine. Donc, toujours pareil pour mes pinceaux. Là, j'en avais emmené qu'un. Donc, je vais le mettre au lavage pour essuyer mes pinceaux à chaque fois. Donc, celui-ci était à 45 centimes. Vous aviez soit cela de couleurs unies en rose, en bleu, enfin de diverses couleurs. Ou alors, vous aviez ceux avec des petits motifs qui étaient à 59 centimes. Donc, celui-ci était à 45 centimes. Ensuite, j'ai pris des éponges blender de pièces. Alors, je vais essayer de retrouver tout ça. C'était une nouveauté. Enfin, moi, dans mon action où je vais, je ne les avais pas trouvées du tout. C'était des éponges comme ça en silicone blender. Donc là, on pouvait toucher la matière. Vous avez deux côtés comme ceci. Voilà, vous avez une, soit ce côté-ci, soit ce côté-ci. Donc, à tester, j'ai jamais testé ce style d'éponge. Kit de deux blenders en silicone, tout simplement. Et ça, c'était 1,79 € pour les deux pièces. Le lot de deux pièces. Alors, vous avez des petites paillettes. Hein, comme ceci. Et j'ai pris des petites éponges comme ceci. J'adore ces éponges-ci. Et celle-là était à... Alors... Elles sont... J'aime bien celles-ci. Hein. Genre, je les utilise assez souvent, ces éponges-ci. Je crois que c'était vraiment pas cher. Hein. C'était pas cher du tout. Est-ce que je vais retrouver le prix ? C'est pas ça. C'était 99 centimes les 12 pièces. Voilà. 7 de 12 éponges à maquiller. Donc ça valait vraiment le coup. Hein. Carré, rond et puis comme ceci. Donc ça, 99 centimes. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Pareil, je ne les avais pas vus dans mon autre action. Ensuite, j'ai pris des petits stickers comme ceci, emoji. Vous savez que je les adore, ceux-là. Alors ça, c'était... Alors, c'était... Non, c'est pas ça.
C'était 89 centimes. Et à chaque fois, vous en avez trois. Vous avez la bouche, vous avez le smiley avec les cœurs, et vous avez le smiley à lunettes. Voilà. Donc ça, vraiment top, hein. J'en ai pris deux d'un coup. Et ça, je vous ai dit que c'était à 89 centimes. Je fais la croix tout de suite comme ça. Hop. Je vais moins chercher mes prix. Ensuite, j'ai pris des chaussettes pour mon fils, comme ceci. Donc, c'est la marque Umbro. Voilà, celles-ci, elles étaient à... Alors, celles-ci étaient à... Est-ce que je vais arriver à trouver le prix? J'aurais dû continuer à prendre dans l'ordre. En fin de compte. Alors. De toute façon, ça devait être moins de 2 euros. J'arrive pas à trouver du tout le prix. Ah, c'est pénible. J'arrive pas à trouver du tout. Ça y est, j'ai trouvé le prix. C'était 2,79 € et vous avez 3 paires. Donc moins de 3 euros. Elles sont assez longues, hein. C'est du 39,42 €. Donc voilà. Donc je vais prendre un lot de 3 paires. Voilà, je pense que je vais plutôt suivre l'ordre du ticket, hein. Alors ensuite, bon, c'est peut-être pas très intéressant. J'ai pris un sous-vêtement pour moi. Bon, je vous le montre quand même, hein. C'est juste un sous-vêtement, hein. Voilà, c'est un... Comment ils appellent ça? C'est un shorty Pix & Mix en panthère. Voilà. Vous aviez S, M ou L. J'ai pris en taille S. Voilà. Donc ça, c'était à 1,79 €. Vous en avez qu'un dedans. Moi, je l'ai trouvé assez joli. Voilà, 1,79 €. Ensuite, j'ai pris des masques charbon parce que j'ai vraiment du mal dans mon action d'en trouver juste une seule fois. Là, cette fois-ci, j'ai pris le stock. Enfin, j'ai fait le stock plutôt. J'ai pas tout pris non plus, hein. Voilà. 6, 8, j'en ai pris 11 en tout. Alors, 11 masques. Parce qu'ils sont vraiment très très bien. Si vous avez la peau grasse, il est vraiment très très bien ce masque-ci, hein. À l'extrait de charbon, de bois et de sel de mer, idéal pour les pores obstrués et les peaux grasses. Franchement, il est génial. J'ai dû en tester une ou deux fois, je crois, deux fois ce masque-ci. Et franchement, j'ai cherché partout et j'en trouvais plus. Donc là, j'en ai pris carrément 11. 4, 6, 7, 8. Voilà, j'ai les 11 ici. Voilà, vous voyez, j'ai de quoi faire, hein. Vu que je ne les trouve pas dans mon action vers chez moi, là, je me suis dit, autant que j'en prenne pas mal d'un coup. Alors, les 11 masques étaient à 72 centimes l'unité. 72 centimes l'unité. Et si vous avez la peau grasse, franchement, il est très, très purifiant. Vous laissez poser 20 minutes. Vous nettoyez bien votre peau avant. Vous faites un petit gommage. Et franchement, il est génial. Vraiment très, très bien. J'en suis vraiment contente, hein. Et j'ai vu plusieurs youtubeuses qui disaient qu'il était vraiment très, très bien. Alors ensuite, j'ai pris un shampoing Sayos comme ceci pour pointe, pour cheveux gras. C'est le shampoing Pure & Care pour cheveux gras et pointe sèche. Voilà, je ne l'avais jamais vu celui-ci. J'avais envie de reprendre le verre de chez Schwarzkopf et je me suis dit, je vais changer un petit peu. Il sent très, très bon. Ouais, il sent vraiment très, très bon. C'est un flacon de 500 ml et il me semble qu'il était à moins de 2 euros, celui-ci. Il était à... Franchement, ça valait vraiment trop le coup, hein. À 1,99 € les 500 ml. Franchement, ça vaut le coup, hein. Moins de 2 euros à un bidon de 500 ml, ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris une mousse de douche Nivea Silk Mousse, la Luxurious Shower. Voilà, vous pouvez gratter, enfin, vous soulevez ceci, vous frottez et vous sentez l'odeur. On sent même à travers, ça sent bon l'odeur Nivea, hein, tout simplement. C'est à l'amande, à l'huile d'amande, il me semble. Voilà, Almond Oil, donc à l'huile d'amande. Il était en promotion, il était en tête de gondole. Donc, les 200 ml, alors, il marque diverses variétés. Moi, j'ai vu que celui-ci, il était à 1,95 €. C'était la promotion de la semaine. Voilà, ensuite, j'ai pris du scotch. Tout banal, quand je vais refermer mes produits pour les emmener. Bon, je ne vais pas entamer ce shampoing-là. Mais pour ne pas que ça coule, je vais mettre un petit scotch autour de chaque produit. C'est ce que je fais en général. Et le scotch m'a coûté... Alors, c'était vraiment pas cher. Ça devait être quelques centimes. Donc, vous avez donc le dérouleur comme ceci avec un autre... Et vous avez deux scotch avec... Alors, le scotch était à... Je ne vais pas y arriver. Office essentiel ruban adhésif à 79 centimes. Voilà, je vais faire la petite croix tout de suite. 79 centimes, oui, c'est ça. Ensuite, j'ai pris petit manteau comme ceci. Donc, le petit manteau était à 99 centimes. J'en ai pris deux. Voilà. Donc, vous avez soit Pepsi, soit manteau. 99 centimes là. Ensuite, j'ai repris un parfum Playboy London, enfin un déodorant body spray. Pour mon fils, voilà, celui-ci, il adore. Il n'y avait pas du tout de parfum Playboy, mais je lui ai pris le déodorant. Car c'est celui, vous connaissez maintenant mes vidéos, si vous les suivez. Il adore celui-ci, enfin, un de mes fils adore ce spray-ci, enfin, cette gamme-ci. Celui-ci était à 1,99 € pour 150 ml. Franchement, il les adore. C'est sa marque chouchou, d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris un parfum de Pharrell Williams. Alors, franchement, je ne connaissais pas du tout. J'ai pris quelques petites notes. Pharrell Williams Girl. C'est pour For Girls and Boys. Voilà. Donc, c'est un parfum mixte. Hein. Je vais vous l'ouvrir. Il est super beau. Alors, celui-ci valait 14 €. C'est l'article le plus cher, 14,95 €, il me semble. Oui, c'est ça, 14,95 €. Voilà, c'est un flacon de 100 ml. Alors, il y avait des testeurs. C'était bien présenté car vous aviez l'étiquette testeur. Vous voyez, vous avez l'antivol. Le flacon est superbe. Le parfum est assez capiteux quand même. C'est un parfum plutôt d'hiver, moi, je dirais. Hein. Alors, je vais vous montrer le flacon, il est vraiment très très beau. Alors, je ne connaissais pas du tout Pharrell Williams. J'ai regardé après sur internet, je vous dirai ce que j'ai trouvé. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la protection. Enfin, c'est pas écrit en français, enfin bref. Hein. L'emballage a l'air assez qualitatif. C'est comme une mousse, il est très 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 bien protégé. Un peu du mal à le sortir. Voilà, il est comme ceci. Franchement, pour offrir, c'est vraiment superbe. Je pense que vous voyez bien le flacon. Je vais le laisser emballer. Hein. Je l'ai senti. Je l'ai vaporisé plutôt. Il sent super bon. Alors, c'est une eau de parfum quand même. Hein. C'est une eau de parfum de 100 ml et 14,95 €. Ça valait trop le coup. Et franchement, la bouteille est superbe. Voilà. Franchement, le coffret en mousse comme ceci est vraiment top. Hein. Donc ça, je vous le recommande. Alors, par contre, c'est assez capiteux. Je vais vous lire ce qui est marqué. Du coup, je vais tout remettre. Je ne vais pas l'utiliser. C'est plutôt pour l'hiver. Hein.
Alors, Pharrell Williams, moi franchement, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est un chanteur, interprète, producteur, musicien et styliste américain. Alors, ce parfum-ci a été lancé en 2014, donc aux États-Unis, je pense. Alors, accords principaux, c'est un boisé poudré floral, épicé, frais, aromatique. Et les notes de tête sont néroli, lavande et poivre blanc. Les notes de cœur sont iris, violette et styrax. Les notes de fond sont vétiver, bois de santal et patchouli. C'est pour ça qu'il convient aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais pour les femmes, c'est quand même un parfum assez fort, assez capiteux, hein. Surtout avant de l'acheter, testez-le. Moi, j'aime bien ce style de parfum ou pour une soirée, pourquoi pas, hein. Mais de préférence à mettre plutôt l'été. Pardon. L'hiver, je vais y arriver, l'hiver. Moi, je trouve qu'on sent surtout le bois de santal, le vétiver. Enfin, c'est vraiment un parfum très, très capiteux. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. C'était un lot de crayons taille-crayon et gomme. Le Stadler, le 2HB. Alors, ça, c'était... Est-ce que je vais trouver ça? J'aurais dû prendre dans l'ordre. Alors ça, c'était... Ce sont donc des Staedtler, 7 de crayons fluo 4 pièces, 1,49 €. Donc deux crayons, un taille crayon et la gomme, 1,49 €. Je fais ma petite croix tout de suite avant que la vidéo dure trop longtemps. Surtout que je vous la mettrai en ligne dans quelques jours car je n'ai plus de forfait internet pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, c'est tout ce qui est papeterie. Voilà le deuxième Mentos, comme je vous ai dit, 99 centimes. Et je vous garderai le meilleur pour la fin. Voilà, je vais les mettre de côté. Alors, j'ai pris, on va commencer par ça. Bon, j'ai pris un petit sac à dos, ça c'est pour offrir. Voilà, il est pailleté, donc je ne vais pas le déplier. Hein. Vous voyez le style, vous le dépliez, vous mettez les petits cadeaux dedans. Ça, c'était 45 centimes. Non, c'est pas ça. Sac cadeau pailleté, si c'est 45 centimes, il est très beau. Vous aviez pareil diverses variétés. Moi j'ai trouvé celui-ci vraiment très beau. Ensuite j'ai pris un agenda, donc ça c'est pour offrir l'agenda 2018-2019. Donc je ne vais pas l'ouvrir. Celui-ci était à... Ça devait être 2,18 €. Voilà, 2,18 €. Ma petite croix tout de suite. Ensuite, j'ai pris des cahiers comme ceci, des cahiers de brouillon ou pour mettre des idées de vidéos ou autre. Hein. Alors, ce sont trois exercices book. C'est pour faire des exercices. Donc, book A5. Et vous aviez 80 pages dedans. Donc, il se présente comme ceci. La petite licorne, le petit diamant, les petits cœurs, les petites chaussures, petit popcorn. Franchement, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai vu passer dans plusieurs hauls et je m'étais dit, si je les trouve, franchement, je vais les prendre. Alors, le lot de trois cahiers, différentes variétés. Pareil, il n'en restait plus qu'un. Les autres ne me plaisaient pas trop. C'était 1,49 €. Voilà, vraiment très beau. Hein. Ensuite, j'ai pris deux cahiers de coloriage comme ceci. Alors, je les avais jamais vus, ceux-là. Et ceux-là étaient chacun à 69 centimes chacun, de chaque. C'est du A4. Je ne sais pas où c'est marqué. Enfin, bref. Alors, le premier, c'est le vintage. Je vais le poser. Le vintage photo coloring. Donc, ce sont des photos à colorier. Il n'y a rien de marqué en français. Vous voyez, vous avez des photos. Vous coloriez les photos suivant comme vous avez envie, tout simplement.
Alors, dedans, je ne sais pas combien vous avez de pages. Ça se présente comme ceci. Ça fait assez rétro années 60, hein, années 50. Comme ceci. Voilà. J'essaye de vous montrer. Très, très beau, franchement. Ça fait un peu année Marilyn Monroe, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça assez, assez chou, quoi, assez girly. J'avais envie de m'acheter des coloriages, mais chez Leclerc, c'était beaucoup trop cher. Je me suis dit, si c'est pour pas trop les faire, je vais pas acheter quelque chose de très, très cher. Donc ça, franchement, 69 centimes, ça vaut trop, trop le coup. Hein, c'est ça, 69 centimes. Je sais pas combien vous avez de pages dedans, c'est pas marqué. Bon, enfin, bref. Hein, donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous coloriez soit ça, soit les deux. Vous coloriez tout, vous laissez les jambes comme ceci. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de choix hein, dedans. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci, le Food Photo Coloring, avec les petits donuts. Oui, ça, ce sont des donuts. Pareil, hein, vous coloriez, vous colorez, enfin vous colorez comment... Vous allez colorier suivant vos envies. Je ne vais pas y arriver. Vous avez le petit café cappuccino. Les petits fruits. Voilà, les petits bonbons comme ceci. Le petit hamburger. Voilà, les fruits, les pommes, petites bananes. Voilà, etc., etc. Vous avez des fruits, vous n'avez pas que des gâteaux. Ça, ce sont les cupcakes. Alors ça, j'adore. Voilà, c'est vraiment assez original. Je ne l'avais jamais vu. Hein. Je ne l'ai même pas vu passer, défiler dans des halls. Ce genre de petit cahier-ci. Mais franchement, j'aime beaucoup. Regardez un peu comme c'est joli. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment trouvé les deux cahiers vraiment très, très beaux. Voilà, le Food Photo Coloring. Donc, je vous les remontre. Et franchement, 69 centimes, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai vraiment craqué dessus. Ensuite, pour aller avec, évidemment, j'ai pris les crayons Bic. Parce que je n'avais pas emmené de crayons, alors j'en ai chez moi. Donc, ceux-là. Alors, que je retrouve. Ceux-là étaient à 1,49€. Vous avez 12 pièces. On arrive bientôt à la fin. Ensuite, j'ai pris, ça c'était plutôt dans le rayon enfant, je me suis dit, c'est assez sympa, hein. Pourquoi pas pour mettre dans un petit concours, ou voilà. Donc c'est un contouring, coloring book mandala, donc ça c'était rayon enfant, mais je me suis dit, oh pourquoi pas. Hein. Voilà, ça se présente comme ceci, hein. Ce sont des petits mandalas. Bon sinon, rayon enfant, il y avait les petites princesses, enfin vous aviez plein de choses comme ça. Donc, celui-ci était à... Il ne me reste plus grand-chose. Donc, je ne retrouve pas le prix. Mini mandala rond, 96 feuilles, 12 x 12 cm. Il était à... Je viens de voir le prix en plus. 59 centimes. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup, 59 centimes. Hein. Et ensuite, alors j'ai pas trouvé les pinceaux, vous savez, en forme de licorne. Donc le sac se présente comme ceci. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à 59 centimes. Il est vraiment très très beau. Hein. Et le sac sera vide. J'ai enfin trouvé les palettes dont je vois tout le monde en parler. Tout le monde en parle. Donc apparemment, il faut quand même humidifier le pinceau. J'ai vu pas mal d'avis sur YouTube. C'est pas une pigmentation de folie, mais bon, il faut bien humidifier le pinceau. Hein, utiliser soit un peu de bromisateur ou un truc de chez MAC, là, vous savez, pour humidifier le pinceau. Donc les palettes, chaque palette était à 2,95€. Donc il y en a une pour moi. Et une pour un futur concours. Donc, restez bien connectés. Hein. Voilà. Donc, je vais en ouvrir une. Alors, évidemment, il y en avait deux, trois qui étaient ouvertes. Alors, moi, j'ai regardé que ce soit bien fermé. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, ça se présente comme ceci. Surtout, vérifiez qu'il y ait bien l'emballage de protection.
Donc ça se présente, c'est un peu comme un dupe, on va dire entre parenthèses, des The Balm. Voilà. Donc j'espère qu'elle n'est pas abîmée. Alors là, vous avez les petits rouges à lèvres, là vous avez des petits tutos. Et là, vous avez les fards à paupières, il n'est pas du tout abîmé. Là, vous avez le highlighter, le petit miroir. Alors, combien ils disent qu'il y a d'highlighter là-dedans? Vous avez donc les ombres à paupières, highlighter, balm and blush. Donc là, ça peut faire lèvres et joues. Pourquoi pas tester sur les joues? Alors, l'highlighter, je pense que c'est ces deux-là. Hein. C'est ces deux-ci. Et là, ce sont les blushs. Et là, ce sont les fards à paupières. Vous en avez 3, 6, 9. Vous avez du mat et du irisé. Vous avez deux mats. Ces deux-là, les deux marrons qui sont mat. Et le reste, c'est irisé. Donc, voilà. Donc, je vais la tester. Mais je vais humidifier mon pinceau de toute façon. Et vous voyez, elle est aimantée. Donc, je suis vraiment très, très contente de l'avoir trouvée. De les avoir achetées. Elles sont vraiment très, très belles. Hein. Vous pouvez l'emmener dans le sac, en voyage. C'est idéal. C'est vraiment très bien pensé pour l'été. Donc, elle était à 2,95 €. Et donc, celle qui est fermée sera pour un futur concours. Donc, restez bien connectés. Hein. Je vous la montre. Elle est toute, toute neuve. Donc, celle-là, je la mets de côté. Et ben voilà, le sac est vide. Voilà, j'en ai eu quand même pour 64 € ou 67 €. Enfin, je n'ai plus le ticket là sous la main. Donc, j'en ai eu quand même pour cher, là, cette fois-ci. Voilà, c'était le gros craquage des vacances. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!